Grillier Mode de merde. Salut YouTube. Grillier Mode qu'on adore. Ah. Waouh, Aeterna. Rise from your grave. Des bisous, Louise. Ok, alors. Ah. Oui, non, alors là, on va quand même qu'on... Ah, mais là, il y a un petit guppy, un petit... La merde. Ah oui, il commence avec une clé. Donc, ce qui est bien avec K1, c'est qu'on peut directement voir si notre build... on peut directement chercher un starter craqué. Donc ça, c'est un peu de la bite. Ça, c'est dégueulasse. Quoique, ça me donne un de dégâts. Ça me fait perdre de la vitesse et du range, et ça m'augmente tout. Donc, du coup, c'est pas si dégueulasse. Il y a un Binky en sol. Là, je vais ressortir avec. Ah, là, je commence vraiment à être lent. Ouais, bon, d'accord. Excuse-nous, YouTube. Ah, le bouquin. Ah, non, il fallait pas le prendre avant d'aller à Curse Room, espèce de connard. Merci à tous. Bonjour. Superbe. C'est pas dingue. Faut qu'on cherche quand même un truc dégueulasse. C'est quoi ça? Une pilule aléatoire familier qui fait apparaître une petite ligne de creep. Et le type de creep change chaque fois que le joueur utilise une pilule. Qui a eu l'idée de cet objet tout claqué? Range down. C'est de la merde. C'est nul. Ah! Ah! C'est ok! Oh, je suis trop rapide! Dac. Oh, je suis beaucoup trop rapide! C'est infernal! Après. Je suis vraiment beaucoup trop rapide. Alors je joue doucement sur mon stick analogique. Voilà, Mushroom Halo, c'est ok. C'est ok tiers. Starter, raisonnable. Je suis vraiment le roi des cons. Merci à tous. Ouais, là je meurs. Oh, si je meurs. Oh, terrible. Vous imaginez? Vous imaginez les rixes sur les réseaux? Y'a pas de moule dans le jeu, hein, y'a que du talent. Hein. Je pense que les gens ont trop souvent tendance à l'oublier. Mais qu'est-ce que je fous? Allez. Putain, ils m'en ont remis beaucoup des stalkers. Alright. Ah, Larry, c'est ok. 12 secondes cependant, hein. Ce serait bien de tuer la plupart assez vite, mais faut pas prendre trop de risques pour autant, au secours. C'est bon. Deuxième. Hunt. Avec des rochers, c'est un peu pénible, mais d'accord. Bravo! Le gros basket, c'était dur. Ah, des bisous, Tom Tom. Oui, parce que je devais jouer au basket aujourd'hui. Je devais aller faire ma session de basket. Parce que c'est mieux de faire du sport que de streamer son cul sur une chaise et de fumer 800 clopes par jour. Mais il y avait le Fight for Sub. Oh, vraiment le pire tournoi que j'ai fait sur 20 ans. Hein. Merci, Uri, pour le Prime. Et Nouille et Graxil. Ok. Mais quel connard! Oh non, si je meurs avec ce stuff là! Oh mon dieu!
Oh là là. Direct touché, hein. Direct touché par le vomi, mais direct. Direct, El King of the Conna. Allez. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Quand est-ce qu'on aura un Devil Deal dans ce jeu, quand même? Lump of Coal. Lump of Coal. Lump of... Quoique. Peu importe. Ok. On aurait pu prendre Campus Head. On n'avait pas d'objet à Spacebar. Ça, c'est cool. Ouais, mais pour exploiter le mendiant, c'est moins cool. Ah, j'ai deux bombes, cependant. Mais quel est le rapport? Pourquoi j'ai pas directement reroll? Donc le débat de est-ce que... Oh, bon, est-ce que je prends l'item martyr? C'était le grand débat. Enfin non, mais maintenant ça l'est. Pour l'instant, j'ai pas d'objet, donc... Sans objet, c'est pas sûr. Ça peut être nullos. Ouais, peut-être pas le prendre. Chandelle? Chandelle, ouais. Pff. Oui, c'est un truc en plus, quoi. C'est du DPS en plus, mais bon. Je pense que je prends que dalle. Martyr plus Blancard. Mais y a pas de Blancard, là. Foutez-moi la paix. Je me casse. Merci à tous. Ah, merde! Reset, je pense. Infernal. Oh, ok. Ah, le jus de Jésus. Pas mal, le jus de Jésus. Pas mal, bon, plus que les gratos. Oh, yeah. Ah, voilà, on est immunisé contre les explosions. Ce qui est plutôt bien pour le dernier boss. Ok. Allez. Je suis taquin. Quoique, qu'est-ce qu'il peut nous donner maintenant qu'il nous a donné... Ah bah oui. Okay. J'hésite à prendre le jus de Jésus direct. Bon, j'avoue, là, c'est pas mal. C'est ok tiers. Pour un deuxième étage, c'est ok tiers. Tout à l'heure, avec Maggie, on a eu la chance d'avoir un Two of Diamonds quand même. Hein. Ce n'est pas le cas là. Shot speed est assez lent. Je sais que le build est bon, hein, mais j'essaie d'établir de quoi on va avoir besoin. On a besoin de tears up, de shot speed. Oula, mais bravo! Et de dégâts toujours. On a toujours besoin de dégâts. Mais comment c'est possible d'être aussi con? Merci à tous. Non, quel enfer. Ouh! T'as mon petit cœur noir perdu là, je suis pas content. Hein. Deux, trois, quatre. Ouais, c'est quatre, lui, le rouge. Deux, trois, quatre. Et qui s'y met. Oh ! Il y a que du talent dans ce jeu-là, vous savez. Hein. Oh, le Devil Deal tout claqué du fion, quoi. Et à l'étage précédent, on n'a pas pris de Devil Deal au final. On a eu Krampus. Donc là, on a un choix à faire. Est-ce qu'on tente de gambler des God Room plus tard? Mais j'ai pas débloqué God Head, donc le mieux que je pourrais avoir, c'est un Secret Heart ou machin. Tarot Claw, c'est pas mal, ouais, mais...
Amnésiman, les bombes me soignent. Oui. D'accord. Et pourquoi les Godrooms, ça serait bien ? Ça, c'est ça que j'ai pas compris. Black Powder One Shot Grid. Les connards. Tarot pour Two of Diamonds. La Godroom, Osef, hein, moi j'ai envie d'avoir des Gawazi. Mais c'est vrai que ça me balançait une carte et c'était une carte à jouer. Non, c'était pas Two of Diamonds, c'est pas vrai, c'était Two of Clubs et on s'en fout. Oh, je suis deg. Je suis deg! Oh, sa mère. Oh, le KO pyjama. Ah, mais du coup, Devil Deal avec KO, de la bite en bois. The World, donne pas la Secret Room, superbe. Putain, j'ai pas de clé. J'ai pas de... Ah, vous avez vu la frame, c'était un Two of Clubs. Ok. Non, pas Curse of the Blind, putain. Soy Milk. Ça, c'est de l'habiter en bois. C'est nul. Je vais pas m'énerver. Je pense que beaucoup de personnes auraient fait l'erreur de s'énerver, hein. C'est une erreur que je vais pas faire. Bon, j'utiliserai le Necronomicon si je me fais submerger ou si j'ai des ennemis chiants, genre ça. Bon, si charge, quelle vie quoi. Le Vortex par pitié. Superbe. Génial. Mais non, mais quel con, mais c'est pas possible! Reste frais. Oh voilà, c'est là que les Necronomicon auraient été sympas, vous voyez. Vous voyez. Ok. Mais bon, oh non, ils sont un peu trop vénères pour... voilà. On aime pas trop ça. Ah! Heureusement que c'est la dernière vague. Mais sérieusement? C'est vraiment un objet tout claqué, le Necronomicon, mais bon. Quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Ok, je vais d'abord aller là si jamais il y a un coffre avec mon petit criet de cède. Ah, oh, ça c'est un objet de ouf. Ah bah tiens. Ah mais à 100 double charge. La bite en bois. Mais bon, on peut le recharger à chaque fois. L'espoir est permis. Et ça nous fait surtout un objet de Guppy. Et ça c'est pas rien. Ah mais du coup j'ai joué Devil Deal et j'ai pris KO. Putain mais j'oublie à chaque fois, je comprends jamais s'il va tirer en diagonale ou... Oh. Ah d'accord, 3 donc. Heureusement que je reste frais. Hein. C'est pas plus mal au final. Bon, de toute façon, on n'a aucune vision, donc super, voilà, baisez-vous. Peut-être là. Quoique, c'est mieux à utiliser en reroll. En utilisant reroll. Ah, c'est vrai que j'ai mon trinket pour les coffres. C'est vrai, c'est K1. On oublie qu'on joue K1. Bon, pour que les j'aurais pu, mais ça m'a fait chier parce que j'étais sûr de louper mon coup. Oh, le Two of Diamonds, vous avez vu, c'est ouf! Putain, merci à tous d'avoir cru en moi. Le Two of Diamonds, putain, c'est énorme. Merci. Putain, si je l'avais pris en premier, j'aurais pas eu à acheter une clé, bordel de merde.
Oh! Ah oui, non, mais ça va marcher qu'au début. Pas à chaque vague. Sinon, là, ça aurait été ouf. Ah oui, mais c'est vrai que j'ai double utilisation, donc j'ai 4 clés. C'est du génie. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas marché comme prévu. Ça n'a pas fonctionné. Quoi, y'en a un autre? Ah oui. Superbe! Je vais pas m'énerver. Je vais pas m'énerver. Ça reste un jeu vidéo. Hein. Ce serait extrêmement immature de s'énerver pour si peu. Quoi? Très bien. Très bien. Pas de MV mode, non. Dieu merci. Depuis qu'on joue Chaos, tout se passe dans les shops, mais... Le problème de Chaos, c'est bien quand on peut casser le jeu. Là, on joue pas Isaac, donc il est peu probable qu'on casse le jeu. Mais c'est chiant. Mais c'est super chiant. Il est où le deuxième boss? Oh, c'est méga chiant. Alors, si on pouvait se débarrasser... Vite. Bon, au moins il ne lâche pas de caca rouge celui-là et tant mieux, il lâche les petits cœurs. Les petits cœurs qui font du dégât hein, si je ne m'abuse d'ailleurs. La réponse tout de suite, la réponse immédiatement, non, peut-être pas, non. Ok. Si. Superbe. Superbe. Mais tu veux... Jeu de jambes, Zidane. Super. Mon dégât, il est pas si fou que ça au final, hein. Le problème, c'est que quand là il va faire du vomi, je sais pas comment je fais. Hop! Superbe. Ah oui, non, mais c'est vrai que ça continue. Encore et encore. J'aimerais que ça cesse. Ok. Deux objets de Guppy. J'ai plus de vie. Ça active pas contagion de sortir de la salle. Ah oui, peut-être. Oui, mais le problème c'est que oui, ça nous servirait éventuellement avant le boss, mais bah Steven, c'est bien, mais c'est rush quoi, on n'a pas d'argent dans ce mode là. Ça l'a quand même réactivé sur les boss, d'accord. Un objet de Guppy. Focus Guppy, ouais, non, mais je pense aussi, ouais. T'as mis aide si seulement j'avais Brimstone. Quoi déjà, ça booste plus 4 dégâts, ouais, mais quand on se fait toucher, c'est ça? On a une autre... Ouais, non, c'est pas dingue. Enfin si, c'est cool, mais... Ouais. La merde.
Ah oui, un objet en sol, sinon. Chercher les sols, ça peut être bien. Pas très jouable. Enfin, c'est cool, hein, la lance, mais... Quoi ? Connard ? Vol plus l'arme spectrale, c'est pas si dégueulasse, mais... Fais-moi une main vibrer, hein. Ok, on se casse. On va la voir là, vous inquiétez pas. Non mais on va voler si on devient Guppy, donc c'est ça, c'est pour ça que ça aurait été une erreur. Là on a encore volé, y a pas de machine. Et j'ai pas de bombe. Donc je peux pas faire ça à ce coffre de merde. Ça va pas marcher, vous êtes prêts, attention, dans... tout de suite je vous montre. Regardez bien, hein, sous vos yeux ébahis, ça va pas marcher. C'est pour vous que je fais ça, hein, c'est pas pour moi. Si. C'est pas dingue. C'est pas dingue. Superbe. Superbe. Par pitié. Même c'est vrai que j'ai le Meat Boy. Utilise ton Meat Boy. Ah, pas tout de suite. Incroyable. Oh là là. Quoi, double? Non, pas double, mais 10 secondes. Putain, j'aurais dû le bourrer. D'autant plus qu'il a l'air neurasthénique. Ah non, c'est bon. Se réveille. Secours. Double envy, ok. Enfin, envy et super envy, ouais. C'est casse-couille, mais c'est gérable. On va quand même focus cage, hein, faut pas déconner, c'est bon. Il y a les flammes bleues en plus que j'ai pas défoncé. Oh! Merci. C'est pas fait toucher, incroyable mais vrai, hein. Oh là là. Oh, ça par contre, on va se faire toucher, hein, je vous spoil. Ouais, ouais. Putain, mais non, j'ai fait un petit décalage, mais putain, mais Jutsimur. Ah bah, super, voilà, l'effet de mort. Ça va nous arranger tous, je vous le jure. Fait beaucoup trop cher. Ah oui, et Devil Deal sous KO. Oh là là. Oh. Et y a pas de rire. Oh. C'est non. Ça va être compliqué, hein. Si June le décide encore. Bon, ici, son bitcoin. Merci à Amzok pour le prime. Faut bien que ça fasse Zacombre. Financial analyst. Raquel. Raxil.
Ah, il y a une reroll machine. On n'a pas de bombe, mais j'ai de l'argent. Oh, il y a Guppy Style. Toum toum tidouloum toum toum 3-4. Me voilà être chat. C'était moi vouloir, mais je suis un peu alcoolisé. Ok, go. Dis contre 1 que c'est de la merde. Merci. Ah ouais. Pas qu'un peu, hein. Voilà pourquoi on prend jamais les pilules quand on a plus d'un cœur, je le sais en plus. Quel connard. Bon, on est guppy par contre, hein. Et ça... Et ça que les explosions me soignent, énorme. Oui, mais les explosions me soignent. Mais justement, si les explosions vous soignent, autant avoir plein de cœurs rouges, j'en ai un. Je regrette aussi Thème Martyr, hein, forcément. Bon, quoi qu'avec Guppist Head, c'est pas le meilleur, la meilleure synergie. Il me faudrait du dégât mortel, là. J'ai les putains de mouches. Faudrait IPK, hein, bien sûr. Faudrait peut-être que je me concentre aussi, parce que j'ai réussi à faire Sheol sans me faire toucher. Et là, je me fais bolosser. Ah, ça c'est... Il a tué en dernier, lui. Bah, super. Merci. C'est les picots. C'est les picots qui l'ont tué. Très déception. Oh bah oui, quadruple cage rose, bah d'accord. Heureusement qu'on est un peu plus fort, hein. Pourquoi il est pas mort? Il est pas mort. Secours. Pourquoi il est pas mort? Ah si. C'est qui? C'est un planqué. Oh là là, triple. Ah oui, mais triple, c'est celui qui fait du slowdown. Il vomit ou pas? Si, il vomit. Faut pas que je prenne la thune si jamais il y a des runes. Je sais pas pourquoi je fais ça. Regarde. Nice. Comment il peut y avoir deux breakfasts alors qu'on a à peine vu d'objets? Connard de jeu. Putain. Ok. Ah, y a pas de bombe. Si on presse, c'est cool pour le dernier boss. Ah oui, je vole. Donc ça, c'est Elsep. Non, c'est Power Pill, mais c'est très bien aussi. Ok. Osef. Oh. Double actif. Ouais, bon. Avec Guppy, c'est bien, mais c'est pas dingue, quoi. Alors du coup, ouais, faut peut-être que... Ouais, je vais quand même la garder en main parce que là, si jamais on tombe sur un truc de malade, je pourrais prendre le starter deck. J'ai pris là, le tarot de cloth en plus. Ouais, mais là, c'est le dernier étage, donc est-ce que j'ai vraiment envie de gaspiller ma thune? C'est sérieux? Oh. J'ai déjà un objet de Léviathan? Je suis pas sûr. Maw of the Void, ça peut être dingue avec ces ads là. Ouais, faut le prendre. Faut s'assurer ça, quoi.
On va prendre, on va utiliser tout de suite ça. Hop, des mouches et je vais skip la curse room. Quoique elle me enlèverait qu'un demi. Ah mais si c'est un truc de bombe. Et si en presse c'est cool de l'avoir pour le dernier boss. Pour la salle du dernier boss. Là autour de la NBA, ah bah vu que je suis encore réveillé, je pourrais peut-être le voir. Et d'autant plus comme je disais tout à l'heure, je crois que j'ai renouvelé mon leak pass sans le vouloir. Pourquoi pas le pentagramme? Bah c'est pour avoir de l'argent en fait. Évidemment que le pentagramme il est glamour mais... Je pourrais acheter un cœur, c'est vrai. Ça va pas en dropper? Ouais bah je vais prendre un cœur. Allez go. Merci Yomen Beast FR pour le host. Merci beaucoup. Ah c'est con, il y a là eux ils donnaient 5 chacun ça se trouve. Un petit zion presse, plus 8 de dégâts, un bon temps. Ah, est-ce que les cadenas, est-ce que les pièces peuvent donner des cœurs de ces morts? Ça serait ouf. J'espère que les hats peuvent donner des cœurs noirs. Je commence à avoir des doutes maintenant. Yes. Génial. Superbe. Oui, ça me fait perdre de la thune, donc c'est bien sympa d'avoir Move the Void, mais faudra peut-être pas trop faire le Kekos avec. Connard. Non, j'aurais dû tout laisser. J'hésitais pour voir, mais ok. Yes. Bon, c'est pas grave, je le prends plus tard. Quoi qu'il serait capable de nous le siffler, je sais plus ce qu'il peut me... Non, il peut... Normalement, il me sucre que la thune. Ah, j'ai presque envie de lui laisser un tour où il me fait des clés, quoi. Il me fait les clés là? Yes. Ah mais c'est vrai que j'ai pyromaniaque. LOL. Énorme. Rien à foutre. Ah oui du coup oui. C'est vrai que le combat change de physionomie d'un coup là. Putain, oui, faut que j'aille chercher ma thune, quel con. J'ai j'oublie. Arrêtez. Cessez. Oui, d'accord, c'est ridicule. En fait, c'est pyromaniaque l'objet du endgame. Ou le host hat, quoi. Allez, faut mourir maintenant, hein. Oh, y a la thune. Super, énorme. Merci pour l'argent.
Le sac des sacs. Le Peaky Baby. Oh bah 54 pièces, si on les met toutes, c'est pas si mal. Oula, j'ai eu si peur. Ah oui, c'est vrai qu'on peut mettre le mode pour la musique de Anti-Burst, c'est vrai. Énorme. Des bisous YouTube. Au revoir. Finalement, c'est mieux au revoir. Non, finalement, c'est mieux le Greedy en mode parce qu'on joue un peu plus au jeu plutôt que de le casser. Au revoir YouTube.